Au Burkina Faso, le Conseil national de la transition doit se réunir vendredi autour de la réforme du code minier. C'est un dossier très attendu. Ce code, qui a plus de 10 ans, avait été créé pour attirer les investisseurs. Mais aujourd'hui, la société civile demande qu'il soit plus conforme aux besoins des populations locales. À Ouagadougou, notre correspondante Fanny Noirot. Le code minier actuel date de 2003. Il avait été créé pour attirer les investisseurs, donc fiscalement très avantageux, avec des taxes et des redevances plutôt faibles. Mais pour les organisations de la société civile, cela se faisait au détriment des populations vivant autour de ces mines, des populations victimes des exploitations intensives des sols, sans réelle contrepartie. Elles réclament donc que les sociétés minières mettent la main à la pâte, et pour cela qu'elles versent 1% de leur chiffre d'affaires annuel pour financer des projets. Il y a des projets à mettre en œuvre comme les forages, comme la construction d'écoles, des centres de santé, des centres communautaires, en tout cas des investissements pour développer la localité et faire en sorte que la décentralisation puisse se développer au Burkina Faso. Les sociétés minières jusque-là n'ont pas fait suffisamment d'efforts. Depuis 2009, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina Faso. Une manne non négligeable, surtout que depuis la révolte d'octobre dernier, l'économie tourne au ralenti, bon nombre de projets sont à l'arrêt. Le Conseil de transition a donc la lourde tâche à la fois de devoir satisfaire les attentes sociales sans pour autant dissuader les futurs investissements.